transforme mes jeux en fonction de l'âge auquel je souhaite m'adresser. Par exemple, des odeurs très simples de fruits pour des tout petits. Et puis, quand je cherche à toucher des enfants de 8 ans et toute la famille, j'essaie de trouver un thème historique qui va intéresser aussi bien les parents que les enfants. Par exemple, les épices, qui ont donc une variété d'odeurs très intéressantes, qui ont représenté des enjeux économiques très importants avec les compagnies des Indes, vont me permettre de créer un jeu où on va comprendre l'histoire du XVIIe siècle, les enjeux qu'il y a pu avoir sur la course aux épices à travers 5 compagnies des Indes. Je baisse les prix dans la région jaune et je monte les prix dans la région verte. Et puis derrière, eh bien, il peut y avoir des arômes alimentaires que l'on va utiliser soit dans des jeux où il va falloir reconnaître plein de saveurs, ou bien tout simplement apprendre à cuisiner ou à faire des bonbons ou encore des chocolats aromatisés. Alors, il faut que tu me comptes 16 à 18 gouttes de réglisse. 17, 18. C'est bon. Voilà, tu remues bien. On va vous donner des odeurs. Alors là, on va voir si vous êtes capable de retrouver ça. Le rôle de l'olfaction est important car il va développer la curiosité de l'enfant vis-à-vis de la nature pour apprécier davantage les plantes qu'il peut croiser lorsqu'il fait une promenade en forêt ou à la campagne. Il est important aussi pour développer le vocabulaire, pour leur permettre d'apprécier davantage la nourriture et les bons petits plats avec des épices, des herbes aromatiques, avoir une curiosité vis-à-vis des fruits et des légumes, ce qui leur permet d'avoir une alimentation derrière beaucoup plus saine.